Sûr, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah, qu'est-ce que c'est? Sur le côté du château, j'ai modifié la partie qui n'allait pas, et du coup, c'est impeccable. Très bien, allons voir ça. De suite. Alors, je vous montre où c'est. Attendez. Oh, il y a de la pelouse qui a poussé ici, hein? Oui, vous avez vu ça un peu? C'est bien poussé avec la pluie qu'il y a eu. Alors regardez, c'est cette partie-là. Regardez, maintenant c'est impeccable. Ah oui, en effet. Je trouvais que cette partie-là était ratée, hein. Là, maintenant c'est impeccable. Ah oui, on trouvait aussi. Bien. Je vais une réunion d'un petit cours. Sur la petite place là, là où il y a l'herbe. Bien, on va se réunir. Alors, vous deux, toi tu peux retourner en haut de ta tour pour chercher d'autres idées. Justement, j'en ai d'autres idées. Oui, alors je t'écoute. On pourrait faire avec la charrette des endroits aplatir la terre pour que la charrette puisse passer facilement sans que elle tombe dans les trous à chaque fois. Et c'est une excellente idée, ça. Bien. C'est pas ça que je pensais, mais c'est une bonne idée. Bien, vous deux, j'ai en face de moi là avec vos chevaux, vous allez aller à la baraque des deux merlins là. Et vous allez les protéger. Bien sûr. Nous y allons. Bien, ton idée de route. Ton idée d'aplatir les sols, j'ai dit route. Donc, on pourrait appeler ça une route. Et ouais, on pourrait appeler ça route. Qu'est-ce que t'en penses? Eh, c'est une bonne idée, sire. Vous avez inventé un nouveau mot. Et ouais, ouais, sans le vouloir. Et oui, sire, une route. Une route. Une route de terre. Et ouais. Ah, qu'est-ce qu'on va pas y inventer, hein? Bien, nous sommes arrivés chez Merlin. Bien, on est envoyé par le roi et on doit vous protéger, vous et votre baraquement. D'accord. Puisque c'est le roi qui le demande, on est d'accord. Bien. On surveille votre baraquement. Bien. As-tu une autre idée? Non, pas pour l'instant, mais j'ai pensé un truc dans ma tour. Il n'y a aucun garde dans ma tour. Si je me fais attaquer, je pourrais plus rien inventer après. Très bien. Désormais, tu auras deux gardes qui te suivront. Deux gardes qui tuent. Il n'y en a pas de disponible de garde. Si j'appelle. Eh, j'ai plus de garde, je les ai envoyés ailleurs. Bien. Il me faut des gardes. J'ai mes deux gardes là-bas, chez Merlin. Et du coup, j'ai plus personne. Heureusement que le château est à côté. Et j'ai garde du château. C'est dingue. Sire, nous sommes rentrés d'expédition. Ah, tout seul? Non. Avec les autres soldats. Elle n'est pas tout seul.
Je suis là aussi, hein. Il y en a d'autres aussi, hein. Moi, j'ai perdu. J'ai perdu mon armure pendant la bataille. Une bataille? Quelle bataille? On s'est fait attaquer. Ah oui? Par la ville voisine. La ville voisine? Ouais. J'ai ramené un cheval, hein. Donc, une ville voisine. Donc, oui, il faut emboucher du monde, hein. Comment ça devient dangereux? Eh bien. Dommage que la maison de Merlin est loin. Il faut des potions là, pour vaincre l'ennemi, je sais pas, des trucs qui nous aideraient à les combattre plus facilement. Et pourquoi je vous parle de dos aussi, au fait? Il me fout. Je voulais vous dire un truc. Bien. L'inventeur. L'inventeur a besoin de gardes. Est-ce qu'il y a des volontaires? Nous deux. Moi et moi. Moi aussi je veux. Et vous deux, vous voulez pas? Non, on peut pas. Bien. Alors désormais, vous ne serez plus à cheval, hein. Vous serez dans la tour. Bien, il vous faut des armures. Alors désormais, vous êtes à pied. Bon, les chevaux, c'est parfait. J'ai plus personne. Je suis en train de penser que j'ai plus personne à cheval. J'ai plus de garde. Bon, vous deux. Oui. Très bien. Donc vous deux, vous n'avez pas été volontaire pour surveiller la tour de l'inventeur. Désormais, vous serez mes gardes. D'accord, sire. Très bien. Mettez-vous. Pas d'armes, toi? Non, j'ai un bouclier seulement pour me protéger. Un bouclier. Faut combattre aussi, hein. Sinon, ça sert à rien. Bien. Alors, il te faut. Tu vas prendre une hache. Voilà. Tiens, prends ça. Oui, sire. Tiens, prends ça. Je t'ai dit de le prendre. Prends-le. Ah. Voilà, hache. Bien, vous deux, vous allez être protégés, là, les deux, pour l'inventeur, là-bas, avec eux. Eh bien, je suis l'inventeur. Et on sait. Eh bien, alors, casque. Des armures. C'est obligé, les armures? Oui, c'est obligé. Armure. Casque, bouclier, non, pas la peine. Alors, casque, ah, j'ai un casque comme ça, oui, parce que c'est moderne. Alors, armure, t'as pas d'armure toi, mais une armure, ça sera beaucoup mieux. Et on voit les coulisses. Voilà, armure. Épée. Faut une épée hein, pour combattre. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est à la réserve. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? L'inventeur, t'auras tout petit sac à dos pour noter tes idées. Ça, tu le mettras dans ton sac. Très bien. Sac que tu as inventé, d'ailleurs. Quelle idée est là? Bien. L'autre
armes, toi. Hein. Donc on t'en donne une, hein, c'est ça? Hache. Il y en a un au château, il n'a pas de hache, il n'a pas d'armes. Pourquoi ça va? Il n'a pas d'armes, lui. Il n'a pas d'armes. Tiens. J'ai vu une arbalète. Une arbalète. Il me faut une arbalète. Comment ça se fait que j'ai pas d'arbalète? Je croyais avoir une arbalète, mais non, apparemment. J'en ai plus. J'ai vu une paire d'arbalètes. Regardez un peu tout ce qu'il y a. Choisissez vos armes un peu. Alors. Je croyais que j'avais une arbalète. Non, il n'y en a pas. Ah si, il y en a une là. Bien, toi en haut, tu auras une arbalète. Allez, il faut le faire descendre là-haut. Allez, viens chercher ton arbalète là. Oui, ici. Hein. Oui, si j'arrive. Bien. Là, tu descends. Allez-y, choisissez vos armes. Alors, il me faut, je voudrais une épée. Une épée. Hein. Ça, c'est mieux, une épée ou... Non, un revolver. Tiens, je vais prendre un revolver. Un revolver. Revolver. Revolver, très bon choix. Non, désolé, tu prendras pas de revolver, ça sera l'ingénieur qui aura le revolver. Hein? Et j'aurais pas. Pourquoi je peux pas? Parce que c'est trop dangereux. Alors, toi, t'auras droit à. J'aurais droit à quoi? Il y a désormais l'ingénieur, t'auras droit. T'auras pas ce chapeau-là, t'auras ce chapeau-là. Pour montrer que t'es chef. Chef en ce chapeau-là. Ouais, cool! Merci, sir. Chapeau comme ça. Donc, tous ceux qui ont des chapeaux comme ça, vous devez le respecter. Hein. C'est le chef. Pas beaucoup des chapeaux comme ça, alors. Alors. Bien. T'auras... Une baguette magique, non. Une lance, non. Truc qui fait mal, truc qui fait mal, une épée aussi, une épée, voilà, vous êtes bien équipé, voilà, sire, voilà, je suis en bas du château, merci sire pour l'arbalète, alors, j'ai envie de te t'offrir quelque chose. Si d'autres. Oui, sire, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Voilà. Pas d'armure. Et il te faut une armure. Bien équipé pour le combat. Et il te faut une armure. Alors, il te faut une armure. Il te faut un casque. Un bon casque. Et oui, pour protéger le château. Hein. Voilà. Alors tu feras comme ça. Habillé comme ça. Merci sire pour votre pour le m'avoir super bien équipé. Allez, retourne à ton poste maintenant. Bien. Maintenant, je crois qu'on est prêt pour signer un combat. Qu'en penses-tu, ingénieur? Inventeur. Ah, j'ai ingénieur. Ah, c'est pas mal comme mot. Et vous inventez des mots aussi. Hein. Ouais, peut-être que... Que j'aurais dû être... Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on pense, ingénieur? Ben, je pense que...
Là, c'est parfait. Point de vue surveillance, reste à savoir comment ils seront mis en place. Très bien, mettez-vous en place pour la surveillance de la tour. Je sais, est-ce qu'il y a de la fenêtre? Je crois qu'il y a des fenêtres à la tour, ça. Oui, il y a des fenêtres. Bien. Alors, je veux un garde à chaque fenêtre. Pas à chaque fenêtre, à chaque étage. Château, il est trop clair, on attaque le château. Une main géante attaque le château. C'est pas une main géante. C'est quoi alors? C'est une main géante. Le château est attaqué. Ingénieur. Alors, je vais me mettre là. Là, j'aurai une belle vue. Ah, je suis pas protégé. Alors, moi je suis positionné ici et moi juste au-dessus. Et on voit juste au dessus. Voilà, moi je suis positionné ici, c'est parfait. Avec mon collègue est en haut. En bas il y a le squelette. Squelette? Oui, je suis là. Et j'ai rendu que j'ai perdu mon bras. Je remets. Je ferme mes os. Ça tient mal ces os, ces ossements. C'est pour effrayer les ennemis que je me mets là. Je vais me mettre ailleurs. Je me mets là. Et ici. Ah, allez, j'ai du mal à me positionner. Hein. C'est pas facile de positionner quand on est un gros tas d'os. Ah. Bien gardé. Je vais garder ça. S'ennuie un peu ici. Alors, là, je suis tout seul à garder cette partie-là. Ah non, il y a la chien en haut. Si l'ennemi arrive de là, à moi, on est deux. La salle du trône n'est pas, même pas protégée au-dessus. Mon mari, toujours plus loin, il me met du temps à rentrer. Oh, voyons, pas pratique. Pas pratique pour marcher ici. Hein. Bien. J'ai hâte de voir comment ça va se passer après, plus tard, dans le château. La suite dans le prochain épisode.